squadra che ha vinto con la Guinea e loro hanno fatto il loro gioco che con questo gioco sono riusciti a vincere. Il faut aussi faire des félicitations et des compliments à l'équipe adverse qui a joué avec son jeu, avec ses idées, et ça, c'est la chose. Compliments à la Guinée. Sicuramente tutte le volte quando siamo riusciti a velocizzare i palloni, uscire sulle fasce, siamo stati pericolosi. Vous avez vu que chaque fois qu'on a donné de la vitesse au jeu, surtout on a joué sur les ailiers, on a été dangereux. Purtroppo certe occasioni evidenti non abbiamo fatto. Malheureusement, des occasions claires et nettes, on ne les a pas esploitées. È successo di nuovo che praticamente due tiri in porta abbiamo subito due gol. Il s'est passé pratiquement à nouveau que deux tirs au but et on a encaissé deux goals. Questo cosa ho parlato, forse non era abbastanza chiaro, ma abbiamo fatto errori individuali di nuovo evitabili. C'est ce que j'avais discuté avec les joueurs, mais malheureusement, on a vu, on a encore fait des fautes individuelles et ça nous a coûté deux goals. Fa parte del calcio, una partita così fa parte della qualificazione, ma dobbiamo rimanere ottimisti. Ça fait partie du jeu, ça fait partie d'une qualification pour une Coupe du Monde, mais on doit quand même rester positif. Dobbiamo più presto possibile recuperare le forze fisiche e mentali e in 3 giorni andare a vincere la prossima partita. Dès que possible, on doit récupérer les forces physiques, comme aussi celles mentales, et dans 3 jours, on va jouer un nouveau match. Adesso è da verificare lo stato fisico dei giocatori e dopo fare tutto che la squadra arriva pronta per la prossima partita. Maintenant, le travail, c'est d'évaluer la condition des joueurs qui ont joué le match et puis surtout de préparer au maximum le prochain match. Bonsoir, coach. Vous avez raison de parler de déception. Coach, sur les 90 minutes, sur la première mi-temps, on avait l'impression qu'il se dégageait. Il y a eu 2 occasions de but en première mi-temps. On a l'impression qu'il se dégageait. C'est que les joueurs n'arrivaient pas à se retrouver dans le système qui était mis en place. Ça se marchait un peu sur les pieds. Très bonne organisation de l'équipe adverse qui nous a fait déjouer. En deuxième mi-temps, vous apportez des changements, notamment avec l'incorporation de 2 joueurs. Ça nous donne, on l'a vu, ils marquent un but. Et dans les transitions, ils nous ont fait très mal. L'équipe guinéenne nous a fait très mal. On prend un but, très bonne réaction de l'équipe d'Algérie. Mais par la suite, sur des erreurs individuelles, une nouvelle fois, sur 3 matchs, 7 buts, on encaisse. Et là, on a eu des occasions, c'est vrai, mais dans le jeu, dans le contenu, sur les 30 derniers mètres, sur les 90 minutes, on a toujours eu des difficultés. On n'arrivait pas à passer, on n'arrivait pas à créer le danger. La question que j'arrive, coach, le temps, vous ne l'avez pas. Vous avez un match lundi. Comment remédier pour trouver justement la chose que vous craignez le plus, cette cohésion dans le jeu et dans le contenu? Merci. Ma penso che è tanto questione anche mentale di dare questo supporto al compagno, dare supporto al reparto per rimanere compatti. Je pense que c'est surtout une question mentale. Il faut donner de l'aide aux coéquipiers, il faut donner de l'aide au système de jeu et dans la zone. Ci vuole tanta comunicazione perché tante volte tornavamo a prendere la palla lontano dalla porta in 3 e nessuno rimaneva in cambio davanti. Il faut aussi avoir de la communication. On a vu, parfois, il y avait 3 joueurs qui quittaient la zone offensive pour venir chercher des ballons dans une zone neutre. Mais là, c'est vraiment une question de communication. C'est essentiel qu'ils fassent ça. Perché normalmente contro loro 3 difensori altissimi o 5 difensori dovevamo avere vantaggio con i nostri palleggiatori che giocano veloce e che sono bravi anche a entrare nei spazi. En jouant contre une équipe qui a joué avec 3 défenseurs axiaux, qui étaient des gabarits, qui donnaient beaucoup de présence, même à 5, avec le joueur qu'on a chez nous, avec la qualité qu'ils ont de jouer la balle à terre en vitesse, là on aurait dû faire beaucoup plus. Era difficile entrare centralmente,
ma tutte le volte quando abbiamo spinto sulle fasce siamo riusciti di essere pericolosi. C'était difficile de passer par l'intérieur dans l'axe, mais chaque fois qu'on a cherché de jouer sur les extérieurs, on a été au moins plus dangereux. Adesso, evitare avere anche troppa confusione, evitare di avere troppa tristezza. Maintenant, il faut surtout éviter d'être trop triste, d'avoir trop de tristesse et de penser qu'il y a de la confusion chez nous. E sicuramente è importante adesso valutare benissimo fisicamente come stanno i giocatori, e forse con qualche cambio, ma questo non posso dire oggi, anche muovere certe cose. Come j'ai déjà dit, maintenant il faut évaluer la condition des joueurs. Il y aura peut-être des changements pour le prochain match, mais maintenant c'est un processus qu'on va travailler à partir de ce soir. Bonsoir coach, une question assez simple, c'est quand on voit un peu la performance aujourd'hui de certains joueurs, on a vu des profils qui limitent se marcher dessus sur le terrain, ou en tout cas on avait l'impression que certains n'avaient pas totalement compris ce qu'on attendait d'eux dans les intentions, dans les attitudes. Est-ce que aujourd'hui vous ne regrettez pas peut-être quelques absences de la liste, comme je peux citer Belloumi ou Shaibi entre autres? Sicuramente quando si perde tutti gli altri che pensano in contrario ce l'hanno ragione. C'est clair que quand on perd tous ceux qui pensent que les choix qu'on a fait sont des mauvais choix, ils ont raison. Ma non abbiamo contro conferme, sicuramente non è un caso o non è ragione perché abbiamo perso. Mais on ne peut pas donner avec ça une réponse parce qu'on ne peut pas rejouer le match avec d'autres joueurs. Et surtout, maintenant, la réponse, elle n'est pas là parce qu'on ne peut pas l'avoir. Coach Petkovic, on a constaté aujourd'hui que Ismaël Benassar était sur le bon touche. Est-ce que c'est un choix tactique ou il est au mieux fort? Ismaël Benassar. Iniziare questa partita ho reputato che questi due, Bentaleb e Zerucchi, mi danno una certa garanzia fisica e anche di occupazione del campo. J'ai pensé, avec le choix de Bentaleb e Zerucchi, d'avoir deux joueurs qui sont bien dans cette zone, sul plan physique, sul plan della presenza, e c'è per ça che j'ai fait ce choix. E dopo per cambiare non era momento in partita di genere di cambiarlo. Et pour faire un changement avec Benasser, peut-être que ce n'était pas le juste match pour faire un changement dans ce style de jeu. Coach, bonsoir. Je vais aller dans le même sillage que mon collègue sur justement Ismaël Benasser et le milieu de terrain. Vous dites que ce n'était pas possible de faire un changement, de faire rentrer Ismaël Benasser. Ismaël Benasser est sorti très triste hein, de la zone mixte. Pourtant, on a vu au milieu de terrain, il y avait un vide colossal, à un certain moment, sur les transitions. Les joueurs guinéens étaient plus nombreux au milieu de terrain. Les deux joueurs que vous avez mis, qui sont Bentaleb et Zalori, n'ont pas pu contrôler cette zone. Pourquoi ne pas avoir fait un changement dans cette zone? On a vu que vos changements, c'était plus des changements offensifs ou défensifs. Je pense que, in questi momenti, mi serviva a questo. Je pense que dans ces moments, j'avais besoin de ça. Sicuramente, in certi momenti, loro erano in transizione un po' più presenti anche fisicamente, cosa era anche da aspettare, soprattutto quando abbiamo noi spinto per girare la partita. C'est clair, dans la situation de transition off-def, donc quand on a perdu le ballon, eux, ils avaient l'avantage que nous, on cherchait de pousser vers l'avant, et puis c'est une façon de jouer de la Guinée qui cherche ces transitions assez vite. E dopo certi cambi ho visto anche che i giocatori non stavano molto bene e dovevo cambiarli, ma anche per dare la spinta più sulle fasce dove eravamo anche pericolosi. E il y a eu aussi des changements qui sont aussi cause de la condition des joueurs qui faisaient, ils avaient de la difficulté à pousser encore plus, et c'est pour ça que j'ai fait des changements. Bonsoir coach,
Vous avez parlé de déception. C'est une défaite. Peut-être pour le match le plus important, ou bien face à un concurrent direct pour la qualification. Coach, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que on a perdu un joker pour la qualification pour le mondial? Sì, sicuramente che abbiamo perso una partita, abbiamo perso 3 punti, e si può dire anche un joker supplementare. Oui, on peut dire on a perdu un match important, et puis on a perdu 3 points, mais on peut aussi dire qu'on a perdu un joker, oui. D'altra parte rimangono 7 partite, e noi dobbiamo prendere una dopo l'altra e cercare tutte di vincere. Il faut quand même penser qu'il y a encore 7 matchs à jouer et on va chercher de jouer tous les matchs pour les gagner. Ce l'abbiamo anche rivincita anche contro loro sul loro campo. Et on a aussi le match retour avec la Guinée, donc il y a 7 matchs et le match de retour avec la Guinée. Coach, هل تتحمل وحدك بكل صراحة هل تتحمل وحدك هذه الخسارة؟ Sempre responsabilità di coach, perché coach è quel che dà le linee, che dà tutto quanto, e quando si perde io prendo tutta la responsabilità sulle mie spalle. C'è la responsabilità di coach quando on perd, e moi je suis le coach, j'ai la responsabilità della défaite, e moi j'ai l'habitude de prendre tutta la responsabilità su moi-même. E prendendo responsabilità anche non è solo per dire, ma sicuramente anche io come coach ho fatto errori quando abbiamo perso. E c'est pas seulement une question de dire je prends la responsabilité, mais moi aussi je pense que j'ai fait et je peux faire des erreurs, et c'est là qu'il faut l'évaluer. C'est du سؤال اخر. Salam alaikum. Coach, vous ne pensez pas que vous avez précipité d'écarter le joueur d'expérience, surtout qu'on a un groupe d'Afrique qui est proche en 2026, Coupe du Monde aussi. Vous ne pensez pas que vous avez précipité d'écarter des joueurs qui ont de l'expérience comme Slimani, comme Mahrez, comme Blaili? Comme j'ai dit, tutto può essere, ma conferme non ce l'abbiamo. Come j'ai déjà dit, tout peut être juste, ma on peut pas avoir des confirmations. Sicuramente nessuno è tagliato fuori. Il y a personne qui est coupé de cette équipe nationale. Erano scelte di momento e devo stare dietro di loro. C'était le choix du moment et je dois rester avec mes choix. Voilà, une dernière question, il reste 2 minutes. Allez. Bonsoir coach. Coach, on a vu aujourd'hui que vous avez rentré avec une équipe différente par rapport aux 2 matchs amicaux de mars dernier. Est-ce qu'on peut dire que le coach, il est en train de voir quelques joueurs qu'il ne connaît pas? Et est-ce qu'on peut voir une autre équipe après 3 jours face à l'Ouganda, ou bien vous avez, vous voulez voir les mêmes joueurs ou bien la même équipe? Merci. Una domanda solo, chi erano questi giocatori che ho capito? Non dice se è possibile pensare che... Sì, questa è la seconda domanda. Ma... Che potremmo capeggiare in questa seconda parte. Sì, in marzo, siamo già cambiati. Chi è questo? Ma vous vous référez a quel joueur, par exemple? Giocato tutti e due anche in marzo, per questo non vedo che sono i cambi, ma sì, anche Bragma ha giocato la seconda partita. Je vois pas Tugai l'a joué, Amin Gouri l'a joué il primo match, il a marqué un gol, puis il est parti. On a Ben Rahma che aveva joué aussi il deuxième match. Ma sicuramente abbiamo lavorato anche per avere certi ritmi e per avere certi atteggiamenti
non solo 11 che giocano, ma tutti i 25 che sono stati con noi. C'est clair qu'on a travaillé seulement avec tous les joueurs, pas que les 11 qui ont joué. Donc tous les joueurs qui sont convoités, qui sont convoqués, ils ont joué et ils ont travaillé pour ce match. Dobbiamo fare valutazione adesso, come ho detto, psicofisico, per vedere chi sarà pronto per andare a vincere la partita contro Uganda. Et maintenant on doit regarder quels sont les joueurs qui sont prêts sur le plan psychique, sur le plan physique pour aller chercher les trois points au Uganda.